Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir fini les quêtes de Anor. Nous allons tout de suite continuer, donc en faisant la quête principale de la citadelle cette fois-ci. Ok pour l'amarrage, Normandie. Je m'en charge. Oui, commandant. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Alors, on va y voir quand même. Pour les quêtes, donc je sais... Voici les ordres de mission, soldat. Passons-les en revue avant que l'escouade arrive. L'Alliance nous poste dans une mine B. Donc oui, je crois qu'il y a une quête dans l'hôpital du Mémorial, là. Un caramètre contre les brûlures, si je ne m'abuse. On va voir... Oui. C'est ça. Ok, là, il y a Jacob. Bonjour Jacob. Au revoir Jacob. Devrait être là si je m'annonce. C'est ça, il est là. Je suis tombé sur la description de ce traitement dans une usine chimique. Vous pouvez en tirer quelque chose ? Un traitement ? Qu'est-ce que... Et on va à la quête principale cette fois-ci. Donc on doit aller dans l'ambassade, dans le bureau de Houdina. L'ambassade de la caste de la citadelle, pardon. Pour que le conseiller Asari puisse nous parler. Allons-y. Pourquoi ne pas confier la petite à votre famille ? Vous plaisantez ? Ma famille m'a déshérité. Porte à droite. Rassemblez les fichiers restants et donnez-leur le niveau d'accès Tantron. Commandant Shepard, vous avez trouvé quelque chose ? Nous poursuivons notre enquête sur les activités du conseiller Houdina. Nous ignorons toujours comment il s'y est pris. Mais je dois d'abord vous parler d'une autre affaire. L'heure est de plus en plus grave pour les républicains Asari. Nous croyons savoir qu'il manque à votre creuset un élément crucial. Le catalyseur, c'est bien cela ? Vous savez où il est ? Malheureusement, non. Cela dit, nous avons un artefact sur notre planète d'origine, Tessia, classé secret défense. Qu'est-ce que c'est ? Disons simplement que cela pourrait vous aider à trouver le catalyseur. L'artefact se trouve dans un temple situé à ses coordonnées. Si cet artefact est ici... Même nos alliés peuvent avoir des intentions. La galaxie repose sur un équilibre... Les moissonneurs... Voilà pourquoi je viens vers vous. Merci pour votre... C'est pour le bien de tout. Notre planète d'origine n'avait jamais été menacée auparavant. Mais les moissonneurs s'apprêtent à changer ça. Je ferai mon possible. Le nombre de vies qui dépendent de vous dépasse. Je prie pour vous. Ok, donc allons sur Tessia. Allons sur Tessia. Oh, l'ambassadeur. Assistant. Qu'est-ce qu'il y a ? Triste. Dekuna, triste. Insistant. S'il vous plaît. J'irai chercher le nom. Soulagé. Lueur d'espoir. Inquiet. L'Académie Grissom est ainsi tombée en train de Donc voyons voir les quêtes qui nous restent sur Dekuna. Enfin sur donc deux quêtes sur Dekuna. Donc c'est la dernière quête de la citadelle. Statue Spectre. Veuillez choisir. Un moment, s'il vous plaît. On va à la baie d'amarrage. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une quête annexe, puis on Nous fera la quête principale. À la baie d'amarrage D24. Attention, Normandie. L'avenue Stellar Jean, c'est une zone du DLC en fait, qu'on peut y aller librement. Commandant. Bonjour, Shepard. Comment, l'équipage n'a rien à nous dire de plus. Ok. Est-ce que Trainor a quelque chose à nous dire ? Vous avez de nouveaux messages, commandant. Je me disais aussi. Flotte déployée, d'accord. Citadelle ici, d'accord. Alors. Trouver la
l'artefact secret. Extraction de Tekuna, pardon. Donc ici. Sur Tekuna. Tekuna Matata. Ce mot signifie que tu vivras ta vie. J'ai aucun souci. Je suis dans un jeu. Tekuna Matata. C'est pas la quête de la semaine, peut-être. Pas du tout. Hein. Donc c'est juste pour faire ça, d'accord, là. Esquive réussie. Esquive. Ok. Alors juste vite fait, si on a bien fait, oui, non, on fait tout 100% ici. Donc on va pouvoir aller à la quête sur Tessia, la nébuleuse d'Athéna. Donc le secteur de la nébuleuse d'Athéna, bien entendu. Tessia qui se trouve juste ici. Hein. La planète des Asari, donc la planète de Liara Tsoni. Et le temple? Vous pouvez contacter les scientifiques? Négatif. Tous les canaux sont brouillés sur tout le spectre. La mission s'annonce plutôt risquée. C'est bien trop important. C'est maintenant ou jamais. Shepard, c'est ma planète. Alors à la navette. Et c'est... Oui, c'est la planète pirate, Sony. On a compris cela. Cette tenue peut-être un peu, on va essayer. Alors sélectionner. Ouais, c'est bon. Ok. Pas de casque. On fait un peu le tour des armures que nous avons. On va regarder ici tout simplement. On n'a pas l'air d'avoir la Nerkedar complète encore. La Armax Arsenal est stylée quand même. Mais non. On va se mettre en Ankedar sûrement. Totalité, je sais pas, je vais essayer de regarder. Hein. Imperative Armor. Ça là c'est une des meilleures pour ça. D'accord, donc un matériau, voilà, motif. J'aime pas cette tenue. C'est pas... Mm-hmm.
Désolé si ça prend un peu de temps pour ça, mais... Je voulais déjà changer depuis un moment. Voyons, Anthony Anne Kedar, c'est pas grave, sauvegarder et quitter. Il y a peut-être un casque. Il y aurait peut-être un casque Kedar. Casque Kestrel. Visée. Voilà, on verra bien. Sauvegarder, voilà. Ah non, encore ça. Chiant. Pourquoi à chaque fois ça met le pistole? J'étais au pistole pendant la dernière mission. Ah si. J'avais une arme spéciale, j'avais complètement zappé cela. Place baguette et paladin. Là c'est bon, et là c'est bon, continuez. Peut-être des points à mettre ici, bon collante. Non, sabotage sûrement. Ok, confirmé. Donc désolé un peu pour ce temps de petite pause hein, quand même. Liara, vous avez d'autres infos sur cet artefact? Les coordonnées fournies par le conseiller correspondent au temple d'Atamé. J'y suis allée avec ma mère. Il a plusieurs milliers d'années. Et pour une raison mystérieuse, il reçoit aussi un financement du gouvernement. On dirait qu'on est sur la bonne voie. Et si on arrivait trop tard? Mon peuple est en train de mourir. Venezia vous a emmené dans... Quand j'étais enfant, je croyais que c'était juste une leçon dite. Comment ça? J'ai fouillé dans... Elle gardait des archives cryptées de ce lieu, donc... Quoi qu'il s'y passe... Je me souviens de votre mère. Cet endroit réveille de nombreux souvenirs. Et si t'es... Pas pour longtemps. Espérons que vous dites vrai. Attachez-vous cette fois, ça va être... Allez, on va trouver ce catalyseur. On va finir l'arme pour détruire les moissonneurs. Le temps pour le deuil. Nous sommes trop vulnérables ici. Vous devez être le commandant Shepard. Plusieurs bras, sympa. Matériel, sympa aussi. Ils utilisent mieux ce qui leur reste. Vous avez vu ce qui est arrivé à... On me signale que le périmètre est vient d'être percé. Où sont nos renforts? Commandant, on le sait. La barrière a été percée. Commandant, on parlera plus tard. Grimpez sur ce canon là-haut et faites un carnage! Que quelqu'un s'occupe de ce canon! Carnage! Cible ennemie sur le pont! Ils sont à la barrière! D'autres arrivent! Plein de brutes, maximum de brutes. Oh merde, je les avais pas vus ceux-là. Que quelqu'un me dise où sont nos snipers!
Oui, chef. Commandant, je suis le lieutenant Kurin. On nous a dit de vous attendre. Mes ordres sont de défendre cette zone coûte que coûte. Consolidez la barrière! Mais notre périmètre s'effondre. C'est important, on a besoin. À moins que vous ne me donniez une bonne raison de rester, on ne mourra pas pour un Qu'est-ce qu'on vous a dit? Votre nom, c'est tout. Les détails de la mission étaient confidentiels. Nous allons donc mourir sans savoir pourquoi. Je sais ce que c'est, mais faites confiance. Nous ne sommes même pas sûrs que... Alors que faisons-nous là? Nous recherchons une relique cachée dans le... Sérieusement? Tout ça pour ça? Bougez-moi cet aéro... Désolé, commandant. Votre relique a tenu jusqu'à maintenant. On a perdu assez de monde aujourd'hui. Je donne... Non. Si on n'entre pas dans ce temple, lieutenant, vous pouvez tirer un trait sur Tessia. Notre espèce tout entière se fait décimer. Il n'y a nulle part où nous replier. Et vous croyez vraiment pouvoir empêcher tout cela? Nous tenons une arme protéenne surpuissante. C'est la victoire assurée. Protéenne? Comment vous savez qu'elle finira le boulot? C'est la seule chance que nous ayons. Ici le lieutenant Kurin. Maintenez la position. Je veux un chemin tout tracé jusqu'au temple. Avant-poste de Tikis, vous avez de la compagnie en approche. Toute la galaxie va savoir que cette guerre a été gagnée sur Tessia. Ok. Donnez tout. T'inquiète pas, Kurin. On va tout donner. J'étais venu il y a des années. Voir la ville brûler ainsi. Nous la reconstruirons. Attention! Il faut que ça cesse! Déchaînez votre rage contre l'ennemi, Liara! Souvenez-vous-en, parce qu'ils arrivent. Tout est ok. Alors bougez, dégagez du pont! Allez, allez, on y va. Sur ce bâtiment, on a des tirs d'appui. Dispersion et à couvert! Ok. Y'en a encore, y'en a plus. Ça ne cessera donc pas! Y'en a plus, y'en a encore. Apparemment le niveau 60 c'est le niveau maximum. Cette porte droit devant est notre ticket de sortie. Encore une mutante à Sarin. D'accord, on y va avant que d'autres nous tombent dessus. Les moissonneurs s'amusent à nous faire nous entretuer. Ils doivent penser que cela nous démoralise. Pas le cas, non? Au-dessus! Enfant, je faisais des cauchemars où les guêpes m'attaquaient dans mon sang. Devant à gauche, sniper sur le balcon. Ce sont des Asari. On doit pouvoir les rejoindre. Oups. Je suis la spécialiste Kayla. La spécialiste... Attendez. J'ai pas... Attention! Combien de temps pouvez-vous tenir? Maintenant que vous êtes là, autant qu'il faudra. Vous pensez vraiment pouvoir gagner? Une fois dans ce temps, les moissonneurs seront de l'histoire ancienne. Alors servez-vous en équipement et allons écrire l'histoire! Tu parles d'un massacre? J'ai fait un de ces glitchs.
L'avant-poste de Zikis n'est pas très loin. Je peux vous couvrir. Allez! Je crois que la voie est libre. Mettons les voiles. Vers le moissonneur! C'est une voie de sortie! Droit dans la gueule du loup! Pas le choix! Droit dans sa gueule, plutôt, oui. Le cauchemar ne s'arrête jamais. Pas tout seul. Si nous attrapons cet artefact, nous pourrons nous réveiller. Ça fait tellement longtemps. Attention ! On cherche l'avant-poste de Tikis. Il est droit devant vous ! Et le reste de votre unité ? Tous morts ! Il ne reste plus que moi. Et si on appelait des... Nous avions bien des aéronefs. Mais ce moissonneur a corsé... J'entends bien, mais sans leur aide. Je vous ai déjà dit qu'on... Voler de serre. Besoin urgent de renfort aide. Bien reçu. Ici serre 1. Je suis en chemin. Cible au sol confirmée. Les armes chauffent. Allumez-les. Serre 1, gare en brouillage. Cible acquise. Je suis touché. Le stabilisateur a sauté. Ici Serre 5, je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais faites-le maintenant. Allez-y, commandant. Je vous couvre d'ici. Commandant Shepard, je vous couvre. On va vous faire rentrer dans ce temple. L'Alliance fournira peut-être un appui aérien. Si jamais il y a une prochaine guerre, bien entendu. Bougez ! C'est le moment ! Attention, ennemi devant ! Attention ! Encore des cadavres sur face ! Pratiquement fait tout le jeu avec cette arme, tiens. Accrochez-vous, je m'en charge. Oh, donc j'ai dit presque tout le jeu avec ça. Droit devant, des moissonneurs ont des renforts aériens. Merci R5 pour nous avoir aidés. Maintenant. De sacrifice, nous devons les rendre utiles. Ah oh oui, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour les sacrifices, ma grosse. Allons-y. Ce n'est pas aussi simple. Laissez-moi regarder. C'est un chiffrement de type militaire. Je devrais pouvoir le décoder. Un équipement militaire ? C'est un peu exagéré. Surtout que la doctrine d'Atamé n'a plus beaucoup d'adeptes. C'est bon, ok. Stylé le temple. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? C'est bizarre. Les scientifiques devraient être là. Jetez un coup d'œil aux alentours. Ce qu'on cherche est peut-être l'un de ces artefacts. Une page tirée de l'un de nos textes sacrés les plus anciens,
le codex d'Atamé. Sans grand intérêt. Ça pourrait être l'artefact ? Je ne pense pas. C'est une sculpture de Lucène, l'un des serviteurs d'Atamé, qui dispensait son savoir auprès de mes ancêtres. Mais si on fait bien attention, on dirait un protéin. Et ceci ? Ça vient encore du codex. Je ne crois pas. Ça explique comment Atamé a enseigné les mathématiques à nos ancêtres. Ça n'a pas l'air utile. C'est Janiri, le serviteur d'Atamé, qui a apporté la connaissance sur Tessia. Qu'est-ce que vous savez sur le sujet ? Un fragment du codex. Ce n'est pas ça. Cela décrit comment Janiri, serviteur d'Atamé... J'imagine que ce sont les scientifiques. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une représentation primitive de la déesse Atamé. Elle s'adresse à ses fidèles à Sari. Je ne crois pas que... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une représentation primitive de la déesse Atamé. Elle s'adresse à ses fidèles à Sari. Leur gorge... Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Elles ont la gorge tranchée. Il va falloir chercher qui est derrière ça par nous. C'est censé être qui ? La déesse Atamé elle-même. Impressionnant. Je veux bien reconnaître que... Bien qu'Atamé soit importante dans notre histoire, on croyait d'abord que nos dieux étaient séparés du monde. Désormais, les Asari voient l'univers comme un tout cosmique. Il existe une énergie unique. Ah ! Il y a une balise protéenne. Vous en êtes sûr ? On n'oublie pas ce genre de choses. Mais pourquoi la cacher ? Celle trouvée sur Mars nous a donné le creuset. C'est logique qu'on garde le secret. C'est impossible. J'ai du mal à croire que les miens puissent... Ça expliquerait pourquoi les Asari sont aussi avancés. Vous avez bien dit que ce temple avait plusieurs millénaires. Ça ne prouve rien du tout. Mais ça fait réfléchir. Quelques découvertes seulement suffiraient. Ce qui, comme par hasard, est le cas. Eh bien, si c'est vrai, les Asari auraient dû... Rien n'est moins sûr, Shepard. Je sais une chose, c'est qu'on n'a pas le temps de chercher. Le peu de registres auxquels j'ai accès parle de puiser dans les flots de données protéennes, de reconstruire des matrices. Mais je ne trouve rien de tout ça. C'était sûrement voulu. Par la déesse, littéralement. Cherchez. Il doit bien y avoir... Incroyable. La balise semble vous prendre pour un protéin, Shepard. Ça doit être à cause... Rien par ici. Vous réalisez qu'on y est presque ? On peut récupérer ce qu'il nous faut ici. Voilà. C'est en train de s'activer. Ça se sent. Ici aussi. On dirait pas une connexion. Pas non, ça alors. Et celle-là. À mon avis, elle est bonne. Aucune connexion ici. Non, on n'a pas du tout. Examinez les scientifiques de plus près. Tout ce temple n'est qu'une façade. La meilleure cachette est parfois l'endroit le plus en vue. Elles en ont tiré des données. Ça ne ressemble pas à une connexion. Continuons à en chercher. Et voilà, je crois que la balise est utilisable. Ok. Bien caché quand même, la balise. Dépêchons-nous. Oh, une idée. Faire long feu. Recherche d'un marqueur chronologique. Un instant. Chronologie établie. Cycle post-protéen confirmé. Vous êtes quoi ? Présence de moissonneurs détectée. Ce cycle galactique a atteint son point d'extinction. Fermeture des systèmes. Attendez ! On veut des réponses. À quelle question ? Le catalyseur. Il faut savoir ce que c'est pour terminer le creuset. Un protéen. Une IV. Vous vous souvenez de Vigil autrefois ? Je suis Vendetta, une création virtuelle supérieure de Pashek Vran, le responsable du projet que vous appelez Creuset. Il a succombé au Moissonneur lors de la bataille de Trempire 9. Votre existence, elle aussi, touche à sa fin. Les protéens étaient tous aussi sombres. Qu'est-il arrivé au Creuset à l'époque ? Nous avons été trahis. Un groupe dissident soutenait qu'il valait mieux dominer les moissons. Notre ordre de bataille a éclaté. Il s'avérait en fait que ces séparatistes... Il faut croire qu'ils avaient leur homme trouvé. Nos études du passé nous ont amenés à penser que le temps suit des cycles qui se répètent. Comme les attaques des moissonneurs. Pas seulement.
les mêmes pics d'évolution, les mêmes creux de dissolution. Les mêmes conflits surviennent dans chaque cycle, mais de façon différente. Cette répétition est trop fréquente pour être... On pensait que c'était les moissonneurs qui... Possible, mais je suis persuadé qu'ils les subissent tout autant. Alors qui les... Je l'ignore. Sa présence n'a que suggéré l'annihilation galactique, ce gouffre qui s'ouvre devant vous. Ce cycle n'est pas encore perdu. Je veux savoir ce qu'est le catalyseur. Il y a toujours autant de vie en jeu. Hélas, si les moissonneurs sont déjà là, cette discussion ne changera rien. On n'a qu'à rompre le cycle. On a... Le creuset n'a pas été conçu par les protéens, c'est le résultat de multiples cycles galactiques depuis des millions d'années. Chaque cycle y contribue, l'améliore un peu plus, mais jusque-là, personne n'a réussi à vaincre les moissonneurs. Alors on sera les premiers. Dites-nous ce qu'est le catalyseur. Si vous souhaitez vous battre, je ne m'y opposerai pas. On peut prendre le risque. Très bien. Si vous avez suivi les plans du creuset, je vais présence endoctriner, détecter, activation des... Lui. Vous... Vous avez tué les scientifiques. Votre attention. Quelqu'un aimerait pouvoir... Shepard. Comment vous avez trouvé ce lieu? Dans les archives. Votre experte en protéins l'aurait manqué. Montrez-vous. Je ne vous raterai pas, promis. Restez dans votre sphère d'expertise, Docteur Tsoni. Grâce à vous, nous pouvons contrôler les moissonneurs. Ou les détruire. Bon sang, Shepard. Détruire les moissonneurs n'apportera... Si, la paix. Ils tentent juste de nous contrôler. Réfléchissez-y. Ils pourraient détruire toute vie organique s'ils le voulaient. Vous pensez vraiment que les moissonneurs peuvent nous donner... Je les connais, Shepard. Je sais comment... Je crois que l'ennemi a commencé à détruire. Non. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi ? Vous avez passé trop de temps avec l'ennemi. Il vous influence. Vous... Non, je... Et si vous voulez vraiment sauver l'humanité ? Ne doutez pas de mes intentions. Vous ne me connaissez pas. Mes méthodes pour combattre les moissonneurs sont juste plus subtiles que les vôtres. Vous avez oublié dans quel camp vous étiez. Cerberus devait être l'épée de l'humanité. Très lyrique, mais à côté de la plaque, comme d'habitude. Grâce aux données protéines de cette balise, je peux mettre... Vous êtes avec moi ou contre moi? Oui, vous avez sûrement... Leng, le commandant a quelque chose... Veuillez la soulager et apportez-moi ces données. Bien compris. T'as vraiment cru que ça marchait. Je suis touché! Couvrez-moi que je recharge! Attention! L'aéronef! À couvert! Je m'en charge! On va changer d'arme. Je dois recharger! Couvrez-moi! L'aéronef prend position! Vous êtes plus lent que je croyais. Assez plaisanté, Shepard. Les meilleurs partent toujours les premiers. Il n'y a qu'une issue à ça. Visez les soutiens. Cerberus vous remercie chaleureusement. Thank you.
Ici Shepard. Dites-nous où vous vous trouvez. Je répète, y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence? On vous reçoit. Dites-nous où vous... Le lieutenant est touché. Tout notre secteur se fait battre. Où est Shepard? Est-ce qu'il a atteint le temple? Je les ai vus. Hé! Un moissonneur en approche. Ah! Alors, est-ce que quelqu'un reçoit? Je... Par la déesse, non! Ok. Kerling, tu m'énerves, Slobert. Commandant Shepard, vous êtes là ? Commandant. Conseiller. La mission. On a perdu tout contact. Quand est-ce que le Creuset sera prêt ? Conseiller. Pourquoi ? Cerberus, on a perdu. Je... Quelle était la situation sur... De pire en pire. Je dois vous quitter. Certains... Je n'aurais jamais cru voir ce... Personne. Désolé. Les forces Asari sont en déroute. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Sortez-nous d'ici. Shepard, je... Personne n'aurait pu prédire que Cerberus atteindrait Tessia avant nous. J'aurais dû y penser. Nous avons perdu Tessia et les... Cerberus se moque de nous. Ouais, il y en a marre de ces filles. James a raison. Qui c'est ? Personne ? Je vous écoute, Trenor. J'ai pu traquer la navette de Kai Leng. Il n'a toutefois pas disparu. Le signe... Comment ? Je ne sais pas trop. Mais quelque chose... Commandant, à part le sanctuaire qui accueille les réfugiés de guerre... Trenor, vous pensez que ça vaut le coup ? J'en suis sûr, chef. Sans l'intuition de l'officier Trenor, nous n'aurions jamais détecté... Beau boulot, Trenor. Je connais bien le système, Lera. Le seul agent... Une piste bien maigre. Peu importe les pistes. On est allé trop loin pour que... Je veux ces données protéennes et le catalyseur. Rampez. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. D'accord, donc voyons voir l'amiral. Amiral, où es-tu, mon cher amiral ? Shepard. On était à deux doigts d'en finir avec... Vous pensiez pas que ce serait si dur, pas vrai ? J'ai toujours su que rien ne serait facile. Mais voir Tessia tomber... Ah, je pars, vous savez combien de raclées je me suis prise pendant toutes ces années. Déjà, je ne sais pas comment j'ai survécu à la guerre du premier contact. Ok, Kai Leng vous a battu. Ça pourrait nous coûter la... Les gars de la Résistance, ils savent que c'est loin, très loin d'être gagné. On est tous là en connaissance de cause. Alors autant tenter le tout pour le tout avec... Vous y arriverez, Anderson. Il y aura peut-être. J'espère bien. Oubliez ça, je pars. D'accord. Anderson termine. Ok. Alors, oui, faisons... Ah oui, donc priorité sur Horizon. D'accord. Alors, mes quêtes, hein. Voyons voir ça rapidement. Ok. Donc là, on est à 40 minutes de vidéo, on va pas tarder à arrêter cette vidéo-là. Merci de m'avoir écouté, commandant. C'était une bonne idée, et pour l'instant, c'est notre meilleure piste. Ok. Alors... Thank you.
Opportunity, d'accord. Alors, voyons voir juste là ce que ça donne. Apparemment, il y a des ressources ici, donc ça sera après. Oh, il y a quand même ici, voyons voir. Je regarde après ça juste après. Alors, est-ce que j'ai d'autres quêtes? Inspecter le sanctuaire, c'est pour plus tard. On va voir si par tout hasard on n'aurait pas des choses à faire dans notre cabine. Non, c'est juste pour inviter Liara, d'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était le projet du Bon HD. Passez une bonne journée, bonne soirée, et vive les jeux vidéo. Oups, apparemment ça avait pas coupé la vidéo. LOL.